Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de planter ou d'invoquer un jeune arbre de la réalité à plus de 30 mètres de vous, de votre emplacement. Donc ce que vous allez devoir faire déjà, c'est de trouver des graines de réalité. Donc les graines de réalité, elles se trouvent dans des cosses de réalité. Donc regardez, ça c'est une cosse de réalité. Donc pour vous aider à trouver des graines, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cosses de réalité de Fortnite saison 3 chapitre 3. Donc quand vous voyez une cosse, ce que vous faites, c'est que vous détruisez la cosse, hein, soit en détruisant la branche ou soit en détruisant la cosse directement. Ensuite vous récupérez la petite graine qui est en train de voler comme ça. Donc on va attendre qu'elle atterrisse. Et quand vous avez cette graine, ce que vous allez devoir faire, c'est de la lancer. Donc vous allez la lancer, regardez, hop, je lance la graine, hop, ça fait apparaître mon arbuste de réalité. Donc cet arbuste de réalité, vous allez devoir le lancer à 30 mètres de distance de vous-même. Donc pour réaliser ce défi, il va falloir prendre de la hauteur. Moi, ce que je vous conseille, en tous les cas, c'est de prendre de la hauteur. Il ne faudra pas forcément prendre énormément de hauteur, mais un minimum quand même. Donc là, je prends de la hauteur. Voilà, je vais juste ici et on va lancer la graine de réalité quelque part où je peux. Bon, là, évidemment, je ne peux pas. On va lancer de ce côté-là. Et on va lancer la graine le plus loin possible. Donc là, ça nous... Ah, voilà, là. Ok, là, c'est rouge, là, c'est bleu. On va la lancer, on va voir à combien de mètres elle se lance. En plus, elle glisse. Donc là, elle est à 30 mètres. Voilà, elle est parfaitement à 30 mètres. Donc si maintenant, vous êtes trop bas, vous montez, hein, vous essayez de monter sur une colline ou quoi, hein. Même sur le phare là-haut, vous montez sur le phare, c'est sûr, ça fonctionne. Le phare, il fait bien 30 mètres de hauteur. Donc plus vous allez être haut, plus ce sera facile de réaliser le défi. Donc là, je suis pas très très haut hein, quand même. Mais regardez, hop, je lance. Et là, ça fait combien de mètres? Ça fait 29 mètres. Donc là, je suis à 1 mètre, de moins. Donc ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment lancer à 30 mètres ou plus pour que le défi se valide. Donc au pire des cas, vous allez près du phare, où vous allez à un endroit où il y a énormément de hauteur. Si vous êtes en mode construction, vous construisez une rampe jusqu'au ciel et vous lancez votre graine par terre. Et dès que vous aurez lancé votre graine à 30 mètres de distance de vous-même, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.